manifestation des artistes avec des messages en forme dans le sens de la manifestation civile. Ouais, bonsoir. Le président de la commission animation, le président de la commission animation, ah, merci. Je vais demander au nom du comité d'organisation à la Fanfare de Pangoué de revenir juste là devant le podium, devant la régie. La Fanfare de Pangoué, s'il vous plaît, revenir juste là devant le podium pour une prestation demandée, oui, par toutes les autorités de la coalition de l'opposition. La Fanfare de Pangoué, la Fanfare de Pangoué a demandé à revenir ici au podium pour prester à la demande de la coalition des partis d'opposition ici présents. Nous disons non au troisième mandat dans la salle d'Herman Ouattara. La Fanfare de Pangoué a demandé. Merci. Alors, cher ami, une information de taille. Une information de taille. Le ministre a montré avec une forte délégation face à l'entrée de ce mouvement. Oui, il faut saluer conduit ici par son homme de main, Dambélé Mamadou. Il est là, il faut le saluer. Oui, tout ça, ça pour Montano. Oui, vous savez que nous dit bonjour, parce que tout simplement aujourd'hui c'est la convivialité, puisque ça sera le top départ de la désobéissance civile qui sera lancée tout à l'heure. Merci, la Fanfare de Pangoué. Nous attendons la Fanfare de Pangoué. La Fanfare de Pangoué va venir là. En 5 minutes, elle va vous faire bouger, elle va vous faire danser, elle va faire bouger toute la Côte d'Ivoire pour dire non au troisième mandat anticonstitutionnel de Herman Ouattara. Alors il faut remercier tous les groupes. On va libérer la main pour la papa de papa. Vous vous mettez là. Vous vous mettez là.
Merci. Merci à la papa. Oui, merci. À la papa, de ne pas jouer. Il faut modifier le temps. Merci à la papa, de ne pas jouer. Oui, peu de bonne humeur. Il faut applaudir la papa, de ne pas jouer. Merci à vous. Je rappelle que cette papa a été offerte par le maire de Pongwe, le docteur Emu Sivan. Merci. Concentre technique, on ne serait pas bien musique, s'il vous plaît. On va le partir en musique, s'il vous plaît. On va dire merci encore à la papa de Pongwe. Oui, c'était un cadeau du docteur Emu Sivan, maire de Pongwe. Nous continuons à éditer la délégation. Et là, c'est la délégation de Provence. Ouais, à Cocody. La délégation de Provence, c'est le côté de Cocody. Merci à Cocody. Merci à Blancos d'être là. Oui. Au centre technique. Oui, information capitale. Il est demandé à tout le... Allô? Il est demandé à tous les convois qui arrivent de passer par le boulevard Lagunaire. À ce niveau, la circulation est fluide. Le comité d'organisation me charge de porter l'information suivante. Tous ceux qui arrivent pour le Félicien doivent transiter par le boulevard Lagunaire pour avoir facilement accès au stade Félix Houphouët-Boigny. Alors, nous continuons avec le Côte d'Ivoire. Il a été présenté par le Messi de la Côte d'Ivoire. Il est un choupeau pour un paquet d'adore. Il est rentré en bagarre. Il a chanté sa première coupe, ça n'a pas marché. En 98, il a annoncé qu'il allait rendre la Côte d'Ivoire une nouvelle langue. On n'y a pas cru. En 99, le coup d'état est intervenu. En 2002, la rébellion s'est installée en Côte d'Ivoire. En 2010, il a fallu des gens. Vous voyez la guerre s'installer. Jusque-là, les Ivoiriens ont vu que ça a été exposé. Aujourd'hui, l'autre Américain, le docteur Chiraki, l'homme le plus intelligent de la planète, veut installer le royaume de Côte d'Ivoire. Alors, les Ivoiriens, nous disons non. Nous disons non. Voilà, on part comme ça. Et puis on dit non. On reprend. On part comme ça. On part comme ça. On part comme ça. On part comme ça. Et puis on dit non. On part comme ça. On part comme ça. On part comme ça. Et puis on dit non. Les Ivoiriens ne veulent plus d'un troisième mandat. Les Ivoiriens ne veulent même pas d'un troisième mandat. Nous ne voulons pas que tu piétines la Constitution. Nous ne voulons pas que tu installes la Chili en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi je m'en vais saluer toutes les délégations ici présentes, en particulier tous nos parrains venus de la région de San Pedro. Nous voulons saluer San Pedro. Nous voulons saluer le mouvement national, la voix du Grand Ouest, la voix du Grand Ouest,
et le gouverneur Akrapong. Oui, la voix du Grand Ouest avec le gouverneur Akrapong. On continue. Je salue le dynamique, vénérable sénateur Ndoye Yapi Raymond de Koumassi qui est venu ce matin avec une très forte délégation. Oui, Koumassi. Merci à Koumassi. Le maire qui nous accueille, le maire Choco, celui qui a montré au RLTP qu'avec la détermination, rien n'est impossible. Le maire Jacques. Il faut saluer Jacques alias Kakbo. Nous saluons l'organisateur principal, le maire Choco de Makori. C'est la même qui ne laisse sur aucun moyen pour nous donner une bonne mobilisation. Nous saluons le maire Choco avec toute la délégation du FPI, du PDCI, du RACI, de Makori. Merci. Il faut profiter pour saluer nos parents venus de l'Ouest-Confort. Ils sont venus du Clément, ils sont venus du Cavalli, ils sont venus de tout le pays. De notre salut. Nous demandons
Je salue la part de votre bien. Moi, c'est le camarade qui a occupé à l'état civil. Comme vous le constatez, je suis au service de tous les camarades de pour dire non à un problème de ce plan en attente. Que depuis 10 ans, il a brigandé la Côte d'Ivoire, qui a pris l'espoir dans le pays. Nous ne sommes plus nous pour le déploiement. Le
2020 en 2020. Donc, pour éviter que le pays soit à 100 comme tu l'as fait en 2002, pour éviter que le pays soit à 100 comme tu l'as fait en 2010, il faut libérer le pouvoir présidentiel et retourner d'où tu viens. Parce que nous savons que tu n'es pas ivoirien et tu n'as jamais été ivoirien. Nous avons supporté pendant des années ta présence en Côte d'Ivoire. Tu as enterré des familles, tu as promu des familles. Présentement, aujourd'hui, nous jeunes, nous avons des diplômes. On ne peut pas travailler à cause de Koulibaly et de Bakayoko. Donc ça suffit. Tu as fait le temps, il faut partir et libérer la Côte d'Ivoire. On ne veut pas le troisième mandat. Je vous remercie. Je veux m'adresser à ma nation, à la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est pour dire à la SAN que nous sommes désolés pour son troisième mandat. Il a annoncé publiquement à toute la nation entière qu'il ne sera pas candidat en 2020. Et voici, il sollicite maintenant en 2020 pour se présenter comme candidat aux élections 2020. Nous sommes désolés pour lui. Nous avons des soeurs qui sont capables de serrer notre nation. Donc papa Alassane, nous sommes désolés pour toi. Nous te disons, les Ivoiriens te disons que tu n'es pas ivoirien. Tu es un Burkinabé. Tu as été envoyé pour gérer notre pays pour un temps. Et le temps venait d'arriver pour que tu libères notre pays, pour que les fils de cette nation puissent gérer leur propre pays. Je vous remercie. Nous allons et la je voudrais demander à tous les camarades de bien vouloir m'occuper mes chiens. Je voudrais demander à tous les camarades de bien vouloir m'occuper les jardins. Oui, ils cachent des images qui sont déclés. Ok, je voudrais demander à tous les camarades de bien vouloir m'occuper les tribunes maintenant. Je voudrais demander à tous les camarades, à tous les patriotes, aux citoyens, de bien vouloir. Vous dites, je suis vous dit aujourd'hui, je suis vous dit demain, je voulais vous dire, un pays, le seul garçon, il n'y a pas son dé dans le pays là. Le sac qui reste là, il faut brûler. Le reste là, il faut brûler. Vous dites, il n'y a pas son dé. Il n'y a pas son dé. Il est le seul garçon qui peut avoir la paix dans le pays. Il est le seul qui peut avoir la paix dans le pays. C'est vous qui en attend. Il n'aura pas nos babos. Il n'aura pas nos babos. Il veut la paix. Il veut la paix dans le pays. Il n'aura pas nos babos. Il n'aura pas nos babos. C'est Babo qui peut avoir la paix dans le pays. C'est Babo qui peut avoir la paix dans le pays. Il n'aura pas nos babos. Sinon, il n'y a pas la paix. S'il n'y a pas Babo, il n'y a pas la paix. Excusez-moi. Il parle de la paix. Il parle de la paix. Il prend les gens, il les met en prison. Il met les gens en prison. On prend les gens, on les met en prison et on parle de la paix. C'est de quelle paix vous parlez? C'est de quelle paix vous parlez? C'est de quelle paix vous parlez? Même nous sommes machetés au Cameroun. Au Cameroun. Nous sommes machetés. Moi-même, j'étais là. On a couru. Nous sommes venus ici. Nous sommes machetés. Ils ont blessé deux de leurs collègues. Ils ont blessé un machet. Au Cameroun. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici. Nous sommes venus ici. Bonjour, je suis le staff Félicité Bonny parce que je demande à tout constitutionnel, nous au palais de l'élection, vous les gens sont emprisonnés. Le président Macron était un homme qui a aimé de paix. Il a libéré, il a pendant 10 ans, le président a fait 10 ans, il a joué libérer les prisonniers politiques. Le président Macron était à l'exil. Macron a fait venir à Côte d'Ivoire. Pourquoi lui ne sait pas? Pourquoi il ne sait pas? Et il fait les élections, à quelle élection il aller? La question est, mais pour nous, il n'y a pas le troisième mandat de la Saint-Ottawa. Nous n'avons pas le troisième mandat. Nous voulons la libération de tous les prisonniers politiques et le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Nous demandons à ce pays de prendre acte. Parce que M. la Saint-Ottawa ne veut pas la paix en Côte d'Ivoire. Il ne veut pas la paix. Parce qu'il veut la paix, il laisse à soi. Il laisse à soi à tout ça, à l'opposition. Parce qu'il ne veut pas. Il s'en fout les esprits de l'époque ivoirien. Ça, on en veut plus. Donc nous disons, pas le premier mandat de Ouattara. Il y a la paix.